Avant que la vidéo commence, n'oublie pas à mettre le code créateur ENSU dans la boutique Fortnite. C'est totalement gratuit et puis ça me soutient énormément. Merci. Yo les potes ENSU, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment débloquer le skin Bruno Mars et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, gratuitement. Et voilà, tout simplement. Il n'y a pas que son skin à débloquer gratuitement. Il y a, je crois, la pioche. Peut-être le sac à dos, enfin il va y avoir plein de trucs à débloquer. Et en vrai, c'est assez simple, je trouve. Alors, déjà, on va voir ici dans les actus, on peut le voir ici. Donc, le duo formé par Bruno Mars et Anderson .Paak arrive bientôt. Écoutez Silk Sonic sur la nouvelle radio Icon dès maintenant et participez à la coupe Silk Sonic le 7 février. Donc, là, c'est Bruno Mars et lui, c'est Anderson .Paak. Je vais pas vous mytho, je le connais pas du tout. Par contre, Bruno Mars, on connaît tous évidemment. Et donc, la coupe Silk Sonic, elle arrive le 7 février, c'est-à-dire demain. Et donc, demain, on va pouvoir jouer pour tenter de gagner tout l'ensemble des skins. Mais juste avant, je vais lancer une game et on va écouter la petite radio Silk Sonic pour voir si elle rend bien ou pas. Et je vous retrouve en game. Ok, les gars. Wow, ça bug de ouf. Je suis en game, je suis dans le camion. Et donc, on va regarder vite fait la petite radio. Donc déjà j'allume, attendez, quand on allume la radio. Oh, ça bug de ouf, je suis désolé. Hop, on allume. Donc on a Powerplay, on a Radio Icône, Rock Royale, Underground, Fête Royale, Radio Platine, Radio Hip Hop. Je crois qu'ils ont enlevé quelques-unes. Powerplay. Et du coup la nouvelle c'est celle-là, Radio Icône. Hop. Bon, on va pas l'écouter. Oh! Bon, la musique elle est dark. Mais en tout cas, on va pas l'écouter plus que ça parce qu'elle est copyright. Donc voilà, c'était juste pour tester la petite radio. Et donc après je vais vous montrer un gameplay des skins évidemment, un gameplay des skins Bruno Mars, comme ça vous voyez à quoi ils rentrent dans le jeu, et puis la danse aussi, parce qu'il y a une danse. Donc voilà. Alors hop, du coup les gars j'ai lancé une petite vidéo YouTube, il y aura une meilleure qualité que sur Twitter. Et donc on peut voir vite fait les petits styles. Alors déjà Anderson .Paak, pardon. En vrai de vrai, le style en jaune il est grave stylé je trouve. Donc là il est réactif, il est grave cool. En vrai c'est grave stylé. Ok. Ensuite on a Bruno Mars, qui est très stylé aussi. Je préfère peut-être Anderson, je sais pas. Donc voilà, je vous laisse le temps de regarder. En vrai là le truc comme ça, la réactif, c'est vraiment cool. Je sais pas s'il va falloir faire beaucoup de kills ou pas, mais en tout cas c'est stylé. Il nous montre le reste ou pas? Non. On voit pas la pioche, enfin les deux pioches et les deux sacs à dos dans les menus, mais c'est pas grave. Il nous montre en jeu directement, c'est mieux. Voilà la pioche, c'est un micro doré. Et il fait aussi office de sac à dos. Donc est-ce que si on le prend dans nos mains, il s'enlève du sac à dos? Si on le renlève, on prend une arme, il retourne dans le sac à dos? Je sais pas. À voir. Parce que là, lui, il a fait un petit glitch pour les avoir. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas pour lui. Mais je pense que si on l'enlève de notre dos, ça devient une pioche et après un sac à dos. Comme le Captain America. Ok, il monte le bruit. Ok, pas mal. On va avancer un petit peu. On va regarder les autres skins. Hop, 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 on avance, on avance. Donc là, c'est la deuxième custom. Oh là, oh là, ça a un peu bugué. Attendez, la deuxième custom, elle est où? Elle est là. Donc là, en mode un petit peu riche, j'ai envie de dire. Avec une grosse doudoune. Ok, pas mal. On avance encore un petit peu. Donc là, c'est le style rouge. Ok. C'est celui qui est réactif. Oui, lui il est cool. Du coup, on pourra pas voir parce qu'il a pas fait de kill. Et donc, ça c'est l'autre skin du coup d'Anderson. Et en jaune, je le trouve grave cool. Donc voilà. La pioche elle est comme ça, un peu grosse, mais elle doit faire du tam-tam, je pense. Avec un sac à dos pareil tambour. Donc, on a envie d'entendre comment il fait pour taper. Pour voir le bruit. Ok, pas ouf. On va avancer un petit peu. Hop. Et donc là, c'est la deuxième custom. Avec son manteau, comme Bruno Mars tout à l'heure. Allez, j'aimerais bien que ça charge, s'il vous plaît. Hop, waouh, le coup de lag. Attendez, hop, on va laisser un petit peu charger, comme ça vous avez le temps de voir. Hop. En vrai, il est cool. En vrai, j'aime bien. On a du coup le troisième qui est comme ça. Hop. Et ça bug un petit peu. Ah là, il a plus de chapeau, je crois. Ah si, il a sa petite. Ok, il a la petite casquette. Ensuite, quand on avance,
tous les styles sans sac à dos. On s'en fiche. Pareil pour lui. Ah, et là, le gameplay du truc réactif. Ok. Oh, il est grave cool. Il est vraiment cool. Ah, il emote. Mais les copyrights, je crois. Ah non, c'est pas l'emote. Bon, les gars, attendez. Je trouve l'emote et je vous montre. Ok, j'ai trouvé. Du coup, on a le tag. Donc, je pense que le tag, c'est ce que vous allez gagner en premier. Je vais vous montrer après comment vous allez les gagner. Mais le tag, vous l'aurez. Et la danse, on va pas la mettre plus longtemps, puisqu'elle est copyright. Mais en tout cas, vous avez vu à quoi elle ressemblait. Et elle est très cool. Donc, maintenant, on se retrouve pour savoir comment les gagner. Alors, pour gagner les skins, déjà, on va aller dans notre jeu Fortnite. On va aller dans l'icône compétition. Et là, vous voyez, il y a plein de compètes. Voilà. Et ben, c'est celle-là qui va nous intéresser. La Coupe Siltech. Bon, si vous n'êtes pas en Europe, changez ici. Voilà. Pour voir toutes les compétitions. En général, c'est décalé de quelques heures. Ça veut dire aux États-Unis, peut-être la Coupe, elle va être une heure avant. Bref. En général, c'est ça. Et donc, la Coupe Siltech, 7 février. Donc, c'est demain. C'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez vous préparer. Et donc, voilà toutes les informations qu'on a. Premièrement, on a le détail du tournoi ici. Et ici, on a toutes les infos et les récompenses. Je pense qu'on va regarder d'abord les récompenses. Ça vous intéresse le plus. Donc, session le 7, donc demain, entre 18h et 21h. Pour les Français en Europe. Donc, voilà. Et donc, prix et récompense. Si vous avez 8 points dans la compétition, ce qui est vraiment simple, 8 points, je pense, vous allez tous réussir. Vous allez avoir un objet inconnu. Mais en réalité, je pense que c'est le tag qu'on a vu. Donc, soit c'est le tag que je vous ai montré, soit c'est une piste musicale. Donc, c'est la même danse qu'on a entendue tout à l'heure, mais en forme de musique. Donc, l'un des deux, c'est sûr. Moi, je pense c'est le tag. Et si vous faites top 1250, donc ce qui reste d'être compliqué. Donc, comme c'est une coupe duo, je crois que c'est une coupe duo, c'est ça? Ouais, comme c'est une coupe duo. Est-ce que ça va être le top 1200? Ça veut dire qu'il y aura 2500 personnes qui vont avoir le skin, vu que c'est en duo. Ou est-ce que, comme c'est en top 1250, il va y avoir seulement 600 duos? Bref, vous avez compris. Donc, on a 5 objets à gagner. Et je pense que les 5 objets, c'est le skin de Bruno, le skin d'Anderson, la pioche, la deuxième pioche. Et pour l'objet, je dirais soit la danse, soit la piste musicale. Mais en tout cas, soit c'est la danse, soit c'est la piste musicale. Et l'autre, c'est-à-dire si c'est la danse, la piste musicale sera dans votre boutique pour pas cher. Surtout que vous aurez déjà le pack, elle sera peut-être même gratuite dans la boutique. En tout cas, voilà, vous allez avoir pratiquement tout le pack. Il va manquer juste un item, parce que normalement, il y en a 6 ou 7, mais là, il n'y en a que 5. Donc voilà, on va regarder les détails du tournoi quand même pour savoir comment gagner. Donc les meilleurs duos à la fin du tournoi seront récompensés par un accès anticipé aux tenues, blablabla. Hein, les duos qui atteignent 8 points recevront un aérosol. Voilà, comme je vous l'avais dit, donc le tag pour 8 points. Et donc voilà les points. À chaque kill, vous avez un point. Si vous faites top 25 dans la game, c'est un point. Ensuite 23, 2 points. 21, 19. Et ça monte, ça monte, ça monte. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc j'aime pas trop ce classement. D'habitude, c'est plutôt genre top 75, top 50, etc. Là, c'est vraiment à partir de top 25, ça monte d'une place et vous avez plein de points. Donc bon, j'aime pas trop, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo pour débloquer les skins. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre le code créateur en dessous dans la boutique Fortnite. Ciao!